Lancée par Simea, un porteur exclusif de BMW, la seconde génération de coupés fait son entrée avant la fin de l'année. La nouvelle BM Série 4 coupée ne lésine pas sur les nouveautés. Hybridation légère, boîte de vitesse à 8 rapports et un nouvel amortissement progressif. Ce nouveau modèle reste fidèle au style typique des deux portes sportives de la marque, tout en reflétant un nouveau langage esthétique. Les détails en compagnie de Mejdouline Chafei El-Alaoui, directeur de marque BMW Mini. Mejdouline Chafei El-Alaoui, vous êtes directeur de marque BMW. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci beaucoup. Alors, Madame Chafei El-Alaoui, BMW lance une nouvelle marque, série 4 coupée. Alors, quelle est la particularité dans ces circonstances actuelles de cette marque? Aujourd'hui, nous lançons la nouvelle série 4 coupée. C'est un modèle phare qui était très attendu pour cette année 2020. Il fait partie de la lignée des coupés BMW qui ont construit pratiquement l'ADN de la marque depuis plusieurs années. La nouvelle série 4 coupée, c'est la deuxième génération de ce modèle. La première génération a été lancée en 2013. Et BMW a vendu à travers le monde plus de 800 000 unités. Et au Maroc, la série 4 coupée première génération a eu également un franc succès et nous avons livré 1 200 voitures à peu près. Donc aujourd'hui, la nouvelle série 4 coupée deuxième génération vient avec beaucoup de changements. C'est un tout nouveau modèle avec un design très très particulier. La marque a été très audacieuse au niveau du design puisqu'elle a offert à ses clients un modèle très différencié au point de vue design, notamment au niveau de la face avant de la voiture, avec une calandre particulière, avec des grilles maillées et la calandre, elle est en double haricot de BMW, mais plus en hauteur, différenciée des modèles qu'on a vus ces dernières années et qui s'inspire un petit peu des modèles traditionnels de BMW, que ce soit les coupés des années 60 comme la BMW CSI, ou carrément donc les premiers coupés de BMW comme la BMW 328. Donc c'est une calandre imposante qui va plaire forcément donc aux clients qui cherchent la distinction et en même temps donc un plaisir de conduire exceptionnel. Voilà. Donc la nouvelle série 4 aussi, elle est plus grande que l'ancienne, globalement donc à peu près de 13 cm. Et elle est plus basse, donc très agile sur la route. Voilà. Madame El-Alaoui, ne sont pas dans les secrets du ciel. La crise, elle est là. Elle est confirmée, corroborée même. BMW lance une marque. Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un défi? En fait, nous sommes obligés de continuer, et que ce soit les marques à l'international ou nous ici au Maroc. Je pense qu'on doit continuer à soutenir, je veux dire, notre activité. L'économie doit faire avec la situation actuelle, donc c'est ce qui se passe un peu partout. Évidemment, on doit continuer à proposer à nos clients tout ce que BMW offre à l'international. Ce modèle a été lancé il y a quelques semaines en Europe et nous, on le propose aujourd'hui au Maroc. Bien évidemment, c'est adapté à la situation de 2020. C'est une année qui a été difficile pour toute la planète et au Maroc aussi, Oui. Au niveau de l'économie. Donc, une année difficile. Pour les secteurs automobiles, il y a eu carrément presque 2 mois et demi, on va dire presque d'arrêt d'activité, puisqu'le secteur est arrivé presque à moins 85% entre le mois d'avril et mai dernier. Voilà, donc c'est une année difficile, mais à partir du mois de juin, on a essayé de reprendre les activités, mais on reste sur une année, bien sûr, bien inférieure je veux dire, aux prévisions initiales. La nouvelle marque, Madame El-Alaoui, avec les ventes que vous souhaitez réaliser, est-ce que vous pensez que vous allez reposter un petit peu les ventes au niveau de BMW? BMW aujourd'hui se positionne déjà au niveau du segment premium comme l'une des marques leaders, en fait. Donc, on est toujours en tête de peloton, on va dire, des premières marques sur le segment premium. Donc, on consolide un peu notre position. On a une gamme très élargie et aussi différenciée. Et donc, la série 4 coupée, ce n'est pas le modèle le plus à volume, mais c'est un modèle important par rapport
donc aux clients qui cherchent la particularité. Donc les coupés BMW sont des modèles très importants dans notre gamme. Et voilà, donc Très bien. nous comptons développer bien Très sûr bien. avec ce modèle et avec d'autres. Inch'Allah. Dernière question, la cible. Est-ce que c'est beaucoup plus homme ou femme? Parce que dans ma tête, quand vous dites BM, Oui. oui, coupé, pour moi, c'est beaucoup plus la cible, s'il vous plaît. Oui, ben la cible, c'est, on va dire, effectivement plus hommes, mais il y a aussi des femmes. Donc on va pas aujourd'hui, on n'est pas figé dans des stéréotypes assez, je veux dire, Non, sans limités, discrimination. mais Sans discrimination. c'est clair. Donc effectivement hommes, femmes, mais effectivement beaucoup d'hommes. La cible, c'est des clients qui cherchent des voitures différentes. Au fait, on a dit, j'ai dit tout à l'heure, audacieuse. Donc c'est pas la, c'est une voiture qui sort des sentiers battus, donc que ce soit au niveau design ou au niveau performance. Donc c'est des clients qui cherchent à se distinguer, quelque chose de particulier. C'est une voiture qui offre aussi un niveau de luxe très important. Donc pour BMW, on parle de la petite sœur de la série 8. Donc voilà, donc c'est un niveau de luxe, de confort, sans oublier le plaisir de conduire qui définit la marque BMW. Donc on n'a pas vraiment de cible au niveau de l'âge et tout ça. Donc c'est, on peut trouver, donc on va dire, la 40, 35 ans et plus, donc et plus, donc il n'y a pas de limite. Très bien, très bien. Vous Ouais. allez la lancer aujourd'hui même. On va laisser nos auditeurs, auditrices découvrir à quoi il ressemble le BMW série 4 coupé. Madame Majdouline Chef El Alaoui, je rappelle que vous êtes directeur de marque BMW. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à une question sur Med Radio. Merci beaucoup, madame.